C'était clair que la SOGEMA serait morte. Ça, là, c'est clair. Maintenant, ils ont créé une nouvelle agence et cette agence-là doit gérer tous les marchés du Bénin. Alors que la SOGEMA gérait seulement le Dantokpa et le Misebon. Ça s'arrête là. Et le reste, c'est la mairie qui gérait ça. Voilà. Et je crois que c'est aussi une bonne chose. Il faudrait que ça soit pour le bien-être des Béninois. Si la NAGEM est une bonne agence pour le bien-être des marchands et marchandes ou des commerçants et commerçantes béninois, je suis d'accord. Quand on dit SOGEMA, c'est des années. Ils ont déjà l'expérience de la gestion des marchés. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi on vient créer encore une agence pour pouvoir gérer encore les marchés. C'est une manière de créer encore du chômage au pays. Puisque la dissolution de la SOGEMA, ce qui est sûr, ça va laisser des gens à la maison. Mettre tous les marchés dans la main d'une seule société pour gérer, c'est encore une bonne chose. C'est encore une bonne chose. Pourvu que la gestion soit bien faite, hein, et que les responsables de cette société soient compétents. Est-ce qu'on a besoin de former une nouvelle équipe pour gérer ces marchés-là? Oui, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Ils n'ont qu'à commencer et nous allons voir ce que ça va donner. Parce que les bonnes dames souffrent dans ces marchés-là. Les bonnes dames souffrent dans ces marchés-là. Donc, si c'est pour mettre une nouvelle équipe de gestion, parce qu'il y a un nouveau marché-là, c'est pas là le problème. On pouvait laisser la SOGEMA gérer les nouveaux marchés et donner des orientations, c'est tout.